Salut à tous, c'est automatique Youtubeur. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'air info. On commence tout de suite. Pourquoi les prix des billets d'avion ont-ils autant augmenté Prix du pétrole, forte demande. Les prix des billets d'avion augmentent signif significativement depuis un an. Et selon la Direction Générale de l'Aviation Civile, cette tendance est partie pour durer, malheureusement. Alors que la SNCF a annoncé ce vendredi 18 novembre, une augmentation de ces tarifs de 5% en moyenne à partir du 10 janvier, les prix des billets d'avion semblent encore moins enviables. D'après le dernier indice des prix du transport aérien, calculé par la direction générale de la direction civile, le prix des vols, toutes destinations confondues, a augmenté de 20,4% entre septembre 2021 et septembre 2022. Sur l'année civile, le total a atteint 21,6%. Dans le détail, les écarts diffèrent selon les lieux de départ. Ainsi, les voyageurs d'école de, métro... de métropole ont vu le prix non. Ainsi, les voyageurs de métropole ont vu le... le prix de leur billet augmenter de 18,9% sur un an, tandis que que ceux qui partent depuis les territoires d'outre-mer subissent une hausse de 32,2%. Le département où il est le plus coûteux de partir est la Réunion, avec une hausse donc la Réunion, c'est une île française, en fait la Réunion, avec une hausse de 42,3%. Mais le prix des billets dépend surtout de la destination du passager. Sur les liaisons internes, de la métropole à, la Sur les liaisons internes à la métropole française, le billet coûte 14,7% 14 plus cher en septembre 2022 qu'en septembre 2021. A noter qu'il est beaucoup plus onéreux pour les vols moyens croyés, plus 23,6%, que pour les... Non. Ah punaise. Excusez-moi, je me suis planté, excusez-moi. Ça m'énerve. À côté qu'il est qu'il est beaucoup plus onéreux pour les vols moyens croyés, plus 23,6% que pour les longs croyés, où la hausse n'est que de 13%. Le prix du carburant récupéré sur celui du billet. Divers facteurs tendent à expliquer cet envol des prix. Dépendant du pétrole pour son fonctionnement, le secteur aérien souffre de l'explosion des prix du carburant dû à la guerre en Ukraine. Pour amortir ce coût, qui représente jusqu'à 30% du prix du billet, les compagnies augmentent logiquement leurs tarifs. C'est comme ça, malheureusement. Dès cet été, Air France KLM avait procédé à un ajout de 40 euros sur les vols longs croyés et l'invasion russe a eu une autre conséquence. Les vols à destination des pays asiatiques dure de plus longtemps du fait qu'il est interdit de survoler la Russie. Parce que les avions n'ont pas le droit de survoler l'Ukraine et la Russie pour l'instant. Hein. Donc c'est pour ça que les vols vers l'Asie sont plus longs. La désertation des classes affaires qui rentabilisent les vols participe aussi à la hausse des prix des billets classiques. De plus, les compagnies aériennes n'ont pas anticipé la forte demande des né des, des privations de la période de Covid-19. L'offre de vol ne suit pas, les prix augmentent, d'autant que les voyageurs ont tendance à réserver leur place de plus en plus tard. Sans oublier le manque de personnel qui empêche l'organisation d'un nombre suffisant de trajets et a entraîné au mois de juin de dernier de grandes pagailles au sein de plusieurs aéroports. Mais le prix des billets n'est pas le seul problème risquant de faire hésiter ceux qui désirent prendre l'avion pendant les fêtes de fin d'année. En effet, le syndicat, le, deux syndicats des personnels navigants d'Air France ont déposé, mercredi, un préavis de grève pour la période allant du 22 au 2 janvier. Ah Déjà, si vous prenez l'avion, il faudra se méfier, car apparemment, il y a des risques de grève pendant les vacances de Noël. À mon avis, ça va encore être des vacances très perturbées, je pense. Car s'il y a une grève, je crains que si vous prenez l'avion, ça va être mal barré. Mais enfin, bon, c'est pas sûr pour l'instant, hein. c'est pas sûr. C'est un préavis de grève, donc c'est pas encore sûr, mais bon. Ne vous inquiétez pas. Euh, S'il y, y a une grève à Air France euh, pendant les vacances de Noël, je vous en reparlerai dans un prochain épisode, ne vous inquiétez pas. Hein. On va suivre la situation de plus près dans les épisodes d'Air Info. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore sûr qu'il y ait une grève à Air France pour l'instant. Mais bon, on, suive, on va suivre la situation avec Air Info, ne vous inquiétez pas. Une belle année 2022 pour l'aéroport de Lille. La direction confiante pour la suite. L'année 2022 a été bonne pour le trafic aérien à l'aéroport de Lille situé à Léquin dans le Nord. La direction dresse le bilan et évoque des, les projets à court et long terme. L'année 2022 a marqué, comme dans tous les aéroports de France et du monde, certainement, celle de la reprise après la crise sanitaire pour l'activité de l'aéroport de Lille situé à Léquin dans le Nord. À la mi-novembre 2022, la direction fait le point sur l'année écoulée et évoque les ambitions de la structure qui affiche une nouvelle image de marque adaptée aux défis qu'elle se lance. Pour les années à venir. Une dynamique retrouvée. En 2022, l'aéroport de Lille a retrouvé une activité soutenue, principalement sous la saison estivale, lors de laquelle les destinations au soleil cartonnent. En écho au bilan enthousiasmant de la compagnie Volotea, qui a ouvert une base à Lille et proposé une vingtaine de destinations cette année, le trafic a bien repris. Avec cette proposition et la réouverture des lignes vers le Maroc et l'Algérie, le trafic passager a progressé plus 69,7% par rapport à 2021 et atteint 80% du trafic qu'on sur la même période en 2019. D'avril à septembre, on a, noté, on a noté mois par mois une belle progression, commente Marc-André Guenard, directeur général de l'aéroport de Lille SAS. Au, au nombre de, 50, de 57 en 2019, les destinations estivales sont quasiment revenues au même nombre en 2022, avec 54 destinations. Le top des destinations. Dans le top 3 des destinations qui regroupent les déplacements professionnels et tourisme, on retrouve en France Nice, Toulouse et Bordeaux. Et à l'international, Genève, Alger et Porto. Donc ça, c'est les destinations qui cartonnent le plus au départ de Lille. Donc les destinations qui cartonnent le plus en France, c'est Nice, Toulouse et Bordeaux. Et à l'international, c'est Alger, Genève et Porto. Voilà. C'est ça les, les destinations qui cartonnent au départ de Lille. La dynamique se poursuit en automne, avec de nouvelles destinations vers Venise, Marrakech et quatre îles des Canaries chez Volotea, ainsi que la reprise des vols vers Oran et Constantine chez Air Algérie. Cet hiver, Transavia renforce aussi, oh, Cet hiver, Transavia renforce aussi son offre sur la ligne Lille-Marseille et RNR prolonge ses vols internationaux vers le Portugal et la Pologne. Moins de nuisances. Autre point essentiel qui souhaite souligner le directeur, donc le directeur de l'aéroport de l'île-Léquin, la réduction des nuisances. Un engagement que la société a pris en 2020 lors de la concession à FH. Un travail mené en étroite collaboration avec les compagnies qui remplacent leur matériel pour accueillir plus de passagers sur leur vol et limiter les trajets. Les compagnies se transforment, ce qui permet de réduire les nuisances, l'impact sur l'environnement, mais aussi les coûts des vols par passager. Marc-André Guenard, directeur général de l'aéroport de l'île SAS. Concernant les vols de nuit, l'aéroport poursuit son effort, moins 22% de mouvements par rapport à 2019. À chaque saison qui se prépare, nous discutons avec les compagnies pour limiter au maximum ces vols, indique le directeur de l'aéroport. Depuis 2020, une taxe a d'ailleurs été mise en place pour inciter les compagnies à éviter les mouvements entre 22h et 6h du matin. À côté de ça, l'aéroport déploie... Un système de monitoring bruit qui mesure le son émis par chaque avion et accessible à tous en ligne. 6 des 11 stations de mesure ont été récemment implantées. Un aéroport plus vertueux. Si travailler dans l'aérien il y a quelques années était plutôt bien perçu, l'image du milieu a changé. En cette période de crise climatique, en réponse à cela, l'aéroport de Lille change son image de marque. La direction veut s'investir dans les pratiques plus responsables. Le développement de la marque ne se résume pas qu'à un changement de logo, appuie Marc-André Guenard. Il se, décline, il se décline autour de deux axes, la convivialité et la RSE, et la RSE responsabilité sociétale des entreprises. L'aéroport se porte depuis quelques mois plusieurs projets qui vont se multiplier dans les mois à venir. Le volet, pour, le volet, la, pour le volet convivialité, de nouveaux services font leur apparition, comme une nouvelle offre de restauration, la digitalisation de divers services, vente de billets et de tickets de transport sur place. Côté écologie, divers volets sont étudiés, dont le traitement des déchets, la préservation des ressources en eau, la consommation d'énergie. Le parc automobile de l'aéroport est peu à peu remplacé quand cela est possible, par des véhicules électriques ou hybrides, échéance fin 2025. Pour encadrer cette démarche, l'aéroport s'est inscrit en 2020 dans un programme pour accompagner sa transition, l'obtention du troisième niveau de la, de la certification ACA, Airport Carbon Acc 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 Accreditation, excusez-moi pour mon accent anglais, <laughs> niveau neutralisé et la prochaine étape. Le directeur confiant pour l'agrandissement. C'est un sujet qui fait polémique, et notamment dans les communes voisines de l'Équin. L'agrandissement de l'aéroport, initialement prévu pour 2023, va de report en report suite à de divers rebondissements. Cette année, un avis favorable a été rendu par le préfet, donc le préfet du Nord, j'imagine, suite à celui de la commission d'enquête en, publique. <laughs> l'aéroport attend désormais, malgré un récent recours des associations, le permis de construire. Nous avons essayé un refus tacite des maires. Mais nous sommes confiants, assure Marc-André Guénard. Le, le dossier sera juré, jugé en référé dans, les, dans quelques jours. Pour l'heure, le début de travaux est prévu pour 2024, pour une mise en service en 2026. Nous rappelons que la modernisation, c'est avant tout une mise aux normes des locaux et des pistes, pour respecter les obligations européennes. C'est une adaptation du terminal congestionné en période de forte activité. C'est offrir aux passagers les destinations qu'ils souhaitent avoir près de chez eux. C'est aussi garder de l'emploi chez nous, plutôt de voir des employés partir pour Paris ou Bruxelles. Et bien voilà, c'est la fin de l'actualité. En tout cas, l'aéroport de l'île-les-Quins, ça se passe très très bien en 2022, comme vous avez pu le voir. Les destinations, tout ça, ça se passe très très bien en ce moment. Aéroport de Perpignan. Une nouvelle destination pour les amoureux du shopping et de la culture. <coughs> la compagnie Ryanair a dévoilé une nouvelle destination au départ de l'aéroport de Perpignan. Dès juin 2023, il sera possible de s'envoler pour Leeds, donc Leeds et le Royaume-Uni, la capitale du Yorkshire. L'aéroport de Perpignan va proposer une nouvelle destination dès l'été prochain. La compagnie Locos Ryanair a annoncé l'ouverture d'une ligne entre les Pyrénées-Orientales et l'aéroport de Leeds-Bradford. Au cœur de l'Angleterre. Coup d'envoi le 1er juin 2023. Direction Leeds et le Yorkshire depuis Perpignan. Si cette liaison devrait, devrait surtout permettre aux ressortissants britanniques de venir profiter du soleil perpignanier durant la saison estivale et donner ainsi un, donner ainsi un coup de boost à l'économie touristique catalane, elle pourra aussi permettre aux locaux de s'évader dans la région du Yorkshire. Pendant un week-end, par exemple. Deux allers-retours hebdomadaires seront proposés tous les jeudis et lundis. Concernant les tarifs, comptez entre 80 euros et un peu plus de 100 euros l'aller-retour, selon les dates proposées par le site d'Orianair. Pour l'heure, cette liaison est proposée durant 5 mois seulement juin, juillet, août, septembre octobre. Shopping et culture Que faire à Leeds, capitale non officielle du Yorkshire, l'une des plus jolies. L'une de ses plus jolies régions de l'Angleterre, l'aide sera ravir le, le férus d'art et de culture avec une offre culturelle conséquente, avec pas moins de 7 galeries et musées, pour certains gratuits. Cette ville est aussi connue pour son choix de magasins hors du commun. Bon, après, on va pas lire la fin de l'article car on va dépasser 15 minutes sinon. Voilà, on va dépasser 15 minutes sinon. Voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires, surtout abonnez-vous les amis. Allez bye bye tout le monde. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et là regardez sur qui on tombe. Sur Barvina. Comme vous pouvez le voir, regardez. On tombe sur Barvina. Allez bye bye tout le monde. Cheers to the ones that we got. Cheers to the but back all the memories. Of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories.